YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Last of Honor. C'est les gars, il y a une mise à jour, mais je suis malade de ouf, donc je vais quand même vous faire la vidéo par rapport à la mise à jour et tout. On va voir ce qu'il y a ensemble, mais je vous préviens que la vidéo va pas durer longtemps parce que je suis malade. J'enchaîne angine et rhume, je suis au bout de ma vie, les gars. Mise à jour 1.9, chemin de la survie, nouveau chemin de la survie totalement modifié de Dictatel. Alors, ouais, en gros, ils ont enlevé le mode histoire, apparemment, ça a été remplacé. Ils ont fait autre chose à la place. Moi, comme d'hab, les trucs où ils mettent des mois à développer un truc et ensuite à l'enlever, je comprends pas. Donc à voir si c'est mieux ou pas. Nouvelle arme, le Dragunov. Alors, il y a du coup le Dragunov qui arrive enfin dans le jeu. Il y a un truc qui m'a un peu inquiété, c'est que là j'attendais, je faisais mes réglages pour faire la vidéo. Et en fait, désolé si je tousse. Hein. En gros, ils disent découvrir le Dragunov et ses plans de modification de récompense de la saison 44. J'espère que c'est en free to play, qu'on peut l'avoir et qu'on n'est pas obligé de pay to win. Sachant qu'en plus, je me suis fait spoil sur Discord, apparemment il y a 80 niveaux dans le pass de combat dans cette saison là. Le système des saisons a été modifié, à partir de la saison 44, il y aura plus de récompenses. Et vous... Alors j'espère que c'est plus et pas plus. Et vous aurez besoin de moins de points pour les obtenir au niveau les plus bas. Ah, au niveau les plus bas. Ouais, enfin après, si t'arrives plus rapidement au niveau 10, mais que du niveau 70 à 80, tu galères encore plus qu'avant, bon, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Le système de quête a été modifié. L'indicateur à côté du personnage montrera toujours la voie vers la cible principale. L'localisation de la vieille ferme a changé. La caisse est précieuse désormais cachée dans la grange verrouillée. Vous devrez donc d'abord trouver la clé. Encore un nerf. Le mode bâtisseur de votre maison a été mis à jour. Choisis établi et les meubles peuvent être fabriqués au sein de ce mode. De plus, vous pouvez à présent garder un œil sur la tâche en cours. Et je vous... la vidéo elle va pas être plaisante à faire pour moi. Et je suis désolé si pour vous, regarder c'est une galère. Les conditions d'accès à certains lieux et événements du calendrier ont été modifiés. Il y a des ennemis de la plateforme et d'autres lieux ont été modifiés. J'espère que c'est plus simple. La plateforme, je vais pas vous mentir, hein, je jouais quasiment plus au jeu. Je me connectais juste tous les jours à la même heure pour avoir mes récompenses à la colonie et pour pouvoir monter les personnages en fait à la colonie. Et tout ce que je faisais, j'allais même plus à la plateforme parce que les plans de drone, j'en chopais aucun. Donc après, il y a eu le nerf des échelles, ça m'a vraiment gavé. Mais à voir ce qu'on va voir là. Hein. Oh, stylé. Stylé, stylé. Ah oui, donc la ferme, elle n'a pas changé de place, c'est juste l'intérieur. Je vais essayer de tousser le moins possible, hein, mais vraiment, je suis désolé. Hein. En plus, le problème, c'est que je suis malade, j'enchaîne, et je sais pas combien de temps ça va encore durer. Donc je me suis dit que j'allais tout vous faire... Wow, c'est quoi tout ça? Ah, donc en gros... Ils ont changé, en fait ils ont mis un... Ils avaient juste besoin de faire des thunes, ils ont enlevé pour remettre un truc, mais en mode histoire pour refaire des thunes en fait. Ouais, en fait c'est ça qui s'est passé, non mais on est d'accord. Ou je deviens fou. C'est, ils ont juste remis un truc qui était similaire à ce qu'on avait, mais avec un nouveau pass premium. En vrai de vrai. C'est juste ça, ah merci pour les... Oh, on a 25 galons universels, trop bien. trop bien. Ah, donc tout a été envoyé dans la messagerie, d'accord. Non, c'est cool, mais du coup, ça c'est le chemin de la survie. Allez sur la plateforme. Oh, attends frère, je suis déjà allé sur la plateforme. Pourquoi il me donne des quêtes d'aller sur la plateforme? Ah, peut-être que je fasse un nouveau drone, non? Attends, mais je suis à 4 sur 4, le dernier palier, je l'ai pas. Ah non, mais attends, mais ça s'arrêtait avant. Non, en fait, ça s'arrêtait au dernier palier que j'ai pas. Je comprends pas. Il a combien le premium? Attends, j'ai rien compris. 2 secondes. Ah, ils ont fait un pass premium. 18 euros par mois. Attends, maintenant, les saisons, ça dure un mois? Si je dis pas de bêtises, t'as plus de récompenses, XP plus 20%, XP de saison plus 10% et pas de pub. Bah attends, mais l'XP de saison dans un pass payant en plus, c'est abusé, non? Il y a un skin aussi, mais je sais pas si le skin tu le gardes si tu... si t'as plus le pass. Ok. Mais je pige pas, le truc chemin de la survie, ça n'a rien à voir avec le pass de saison en fait. Ouais, bon, moi j'ai toujours pas de skin. Hein. Ah, il y a le Dragunov là-dedans. Attends, mais il parlait de la recette. Mais ça veut dire que... Tu peux le crafter? Oh, il y a des petits chiens. Chioski.
Je suis au ski. Désolé, putain, mais je vous dis, c'est une galère en fait, ma vie là actuellement. Je voulais quand même faire la vidéo. Ok. Ok. Oh, ils ont mis ça dedans, trop bien. Ah, c'est dans le premium. Ouais, non, mais c'est bien quand même. Bien quand même. On va pas cracher sur 2-3 achats intégrés. Surtout quand c'est facultatif. Ah. Ah non, un plan aléatoire pour la modification. Ah non, mais c'est un plan de l'arme, d'accord. Mais par contre, il y a la... Attends, on va faire les tirages. On va l'augmenter les persos. J'essaie de pas trop tirer sur la voix, je vous avoue. Parce que j'aimerais bien me soigner assez rapidement. Et j'ai déjà 3 tonnes de médoc. Et je suis du genre à pas aimer prendre les médocs. Ah, faut que je retourne sur la plateforme, ok. Ouais, vous savez quoi, on va quand même se faire 2 tirages. Comme se faire 2 tirages au cas où. Ouais. Après, mes persos, en vrai, ça monte pas beaucoup. Hein. Connor, j'ai réussi à le monter 50, j'ai un peu de chance. Tucker, il est bientôt max. Et en attendant, je joue Liberty. Et Chris que j'ai commencé à monter. Mais Liberty c'est sympa. Mais en vrai je la joue parce que c'est un des persos qui... Bah, qui est facile à monter parce que c'est un free to play. Enfin c'est un free to play, c'est pas un légendaire. Et du coup on peut le monter assez rapidement. Donc je la joue elle et Chris. Voilà, voilà, vous savez tout. Bateau échoué, communauté. Attends mais... Il y avait un bail de la ferme qui... Pas la ferme, mais l'event de mort, là. Attends, mais la saison, elle dure 21 jours. Mais l'abonnement, il a un mois. Mais une fois que j'ai fait le... Une fois que t'as... En fait, pourquoi un mois? Parce que ça n'a rien à voir avec le... Le... Ça, là, si. Mais ça n'a rien à voir. Donc, attends, il y a le pass de saison. Classico del Madrido. Attends, 10 balles? Attends, mais c'était pas 10 balles avant le pass de saison. C'était moins cher, non? 10 balles? J'aimerais pas avoir payé 10 balles. Après, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Mais j'aimerais pas avoir payé 10 balles pour ça. Et ça, c'est en plus où faut que tu payes 10 balles par mois. Tu récupères les récompenses une fois. Parce qu'en gros, les récompenses, faut que tu les as récupérées. Tu les as récupérées, quoi. Et t'as plus 10% d'XP, mais tout le monde est niveau... Même là, les gens qui débutent, je suis désolé, mais quelqu'un qui débute là en un mois, il est niveau max, en fait. Et le premium, t'as juste XP saison plus 10% et pas de pub. Mais... parce qu'en fait, y a pas beaucoup de pubs non plus à regarder dans le jeu. Attends, c'est les seuls, ça joue là. Parce que donc, le Dragunov, on peut pas le loot, visiblement. Faudrait faire des packs opening partout. Mais de ce que je crois comprendre, on peut pas le loot. Et est-ce qu'il y a le PNJ qui revient là? Bah non en fait. Mais attends, parce qu'en fait il y avait un patch note dans le jeu et le patch note sur l'Apple Store qui disait que l'event s'y revenait. Vous savez l'event qui était en 3 parties. L'event qui est en 3 parties. Bah écoutez, il est pas encore dispo. Peut-être qu'il sera dispo par la suite. Parce que là-dedans, nouvelle. SVD teaser. Putain, c'est vrai que c'est des débiles. Les mecs sortent une mise à jour, il n'y a même pas le... J'oubliais, il n'y a même pas le patch note dans le jeu. C'est vraiment des... Je vais rien dire. Je vais rien dire. Donc attends, il y a ça. Ah, par contre, propre en vrai. Propre en vrai. Ah, je peux directement mettre un sol... Wouah, cool. Cool, cool, cool. Ah non, ça c'est bien par contre. Ça c'est juste, ça arrive maintenant, mais c'est très bien. Et ça, pour l'améliorer, je peux juste cliquer dessus. Ok. Non, c'est très bien. Très bien, très bien. Table médicale. Ah, donc j'ai plus besoin de... Waouh. Oh, hey, c'est enfin arrivé, ce truc. C'est enfin arrivé. Trop bien. Trop, trop bien. Enfin, on a ça dans le jeu. Le reste, c'est quoi? Récompense de saison. Ah ouais. Donc, merci de m'indiquer les récompenses de saison que j'ai pas, en fait. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, surtout que là, on n'a toujours pas de récompense de saison de meubles. Attends, mais par contre, 250 points pour la montée. Mais j'imagine qu'après, c'est le même XP qu'avant, en fait. Parce qu'ils ont dit les XP au niveau des plus bas. Mais je pense que le niveau le plus haut, ça n'a pas vraiment dû changer. Mais s'il faut se taper 80 niveaux juste pour avoir le Dragunov et pour débloquer un plan, sachant que c'est pas un plan rare, c'est un plan basique, c'est hoche quand même. Vous savez quoi?
Je dois avoir des tickets violets qui traînent. On va les sauver les tickets violets. J'ai pas des tickets violets ici qui traînent. J'ai hâte que la vidéo se finisse pour me moucher, je vais pas vous mentir. Alors. Ah, j'ai 5. Écoutez, on va se faire les 5 caisses. On va voir si on récupère un. Du Dragunov là-bas. Je vais pas poser mes affaires parce qu'en vrai, je. C'est pas que je suis dépité par le jeu, hein, mais. Mais moi, la plateforme, ça m'a un peu dégoûté en fait. Ça m'a un peu mis une claque parce que t'es censé avoir le drone qui. Le drone sur plein de jeux, c'est un truc super cool et tout. Pour pas citer d'autres jeux, mais genre Life After Undone et tout, le drone est super utile. Et là, le drone, ça pue la merde en fait. C'est beaucoup trop situationnel, c'est. Ça coûte extrêmement cher de monter les modules et tout. Pour un truc où t'as 4 batteries de mort. Et comme ils ont nerf les échelles maintenant à la plateforme, bah c'est devenu naze en fait à faire. Et. Enfin, c'est pas que c'est devenu naze, mais en fait, ça coûte trop de stuff, ça le problème. C'est qu'on est toujours un peu comme le bunker A maintenant, c'est que ça coûte beaucoup trop de stuff pour que ça demande. Et chez des gens, ils vont me dire, ouais, mais tu peux le faire en wall trick et tout. C'est pour jouer en mode difficile, j'irai sur un Dark Souls ou je sais pas quoi. Mais chacun fait son gameplay comme il le soit, comme il le veut. On va checker. Et on a eu rien. Et on a eu rien. Et on a eu rien. Et on a eu. Bah, c'était le même coffre. C'est le même coffre, donc forcément, on a rien eu. Et on a rien eu. Bah, écoutez, je pense que pour le Dragunov, hein, c'est ce que je disais. Hein, j'ai peur que ça soit un peu pay to win. Je sais qu'évidemment, on peut l'avoir dans les. Après, faut voir l'arme en vrai. Mais le truc, c'est que le sniper de Genèse, c'est un peu de la merde. Dans le sens où c'est très situationnel. L'arme était très lente, au cas, ça faisait beaucoup de dégâts. Mais t'allais aussi manger des dégâts. Et là, le truc, c'est que. Ah désolé si j'en nifle, hein. Mais on est plus à ça près j'ai envie de dire. Mais là le truc c'est que ok tu peux l'avoir là dedans, mais il faut déjà avoir tous les skins. Et sinon le seul moyen de le débloquer c'est en prenant le pass. Donc ça reste à. Attends mais pour moi c'était pas 10 balles, hein. Pour moi c'est 5 ou 6 balles. Hein. J'ai un doute parce que sur le site il me semble que c'était 4,50€. Mais là ils ont augmenté le prix du pass, c'est chiant en fait. Bah écoutez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais rester AFK sur le jeu et on va voir. Je vais voir si j'arrive à. Si je chope un petit Dragunov ou quoi. Je vous ferai une vidéo histoire de vous montrer avec les plans et tout. Mais là pour l'instant, moi je suis pas emballé de fou pour la mise à jour là. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se revoit dans de meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Mais n'oubliez pas à la prochaine. Salut, bye bye.